Salut à tous et à tous, ici Stéphane Nacossin, on se retrouve aujourd'hui pour la 7ème étape de notre série sur la Volta. La Volta, 6ème étape, pardon. Le final, tout de suite. Donc voilà, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait une semaine et demie, un truc comme ça, ou deux semaines. Là, j'ai cramé mes coéquipiers. C'est méchant, mais voilà. Crazy Guy, il me protège. J'ai encore du jeu avec Contador. Tout se passe bien. Par contre, c'est avec Shagen que j'ai travaillé. Pas tout de suite, parce que lui aussi, il a relié. Basso, oui. Basso. C'est Maika. Maika, où? Calme-toi. Ah oui. Et Kizar. Et Kizarlowski. Et Alberto. J'avance un peu, 23 km de l'arrivée. On arrive à la petite bosse. Commence à travailler Shagen. Je vais ralentir un peu. 4 mètres à 80, Crazy Girl. Et Shagen, c'est trop tard, c'est fini. Pépère. Non, on va aller sur Alberto. Benati, pareil. Hein. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. On accélère, on essaye de creuser un écart. On est en train de creuser l'écart hein, quand même. On est en train de se détacher. Et ouais. Coéquipier d'aller rendre au Valverde qui a lâché. Au Valverde aussi. Dix kilomètres. Faline, on s'inquiète pas. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. On a bardé en contre-attaque maintenant. Et tout le monde attaque. Maintenant, c'est fini. On lui pose un contre. C'est maintenant qu'on donne tout. On se met à 84. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Pour le petit gel.
Attaque de Romain Bardet. On est en train de se détacher là. On va gagner avec Alberto Contador. Voilà. Alberto Contador qui gagne. Ok, Molema. Allez, rendre Valverde, Bardet, Rui Costa, Caruso, Katoski. On va avancer un peu. Donc, Uterpuls, Fallin et Gesink. Tout le monde a fini pour mon équipe. Pas si on a le maillot, je sais pas du tout s'il y avait des bonifs. Donc après il y aura un épisode du mode pro cycliste. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il y a une chute aussi du Marcel Kittel. Je crois qu'il y avait 7 coureurs qui sont tombés. Un truc comme ça. Regardez ça, Alberto Contador. C'est joli entre Bardet, Valverde et Rui Costa. Voilà, il n'y a pas de résultat. On va juste voir s'il y avait des manifs. Et Contador avec les joueurs. Bon, je suis premier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine. Allez, bye bye tout le monde, ciao ciao. A tout à l'heure pour le mode pro cycliste.